Attention, Centaure, pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Daniel, je t'ai entendu. Parce que là, apparemment, tu m'entends pas, toi. T'es, tu peux être dans les QRM. Hachis trois coups. Ok, je te ferme, là. Ça y est, là. Je voudrais te sortir, c'est mieux, là. Ok, putain, mais va vraiment falloir que je remette dans le push Alpha Lima. Ça me fait chier parce que j'en ai besoin aussi au QRA. Ah, désolé, mais là je te reçois plus là pour le moment. Je suis dans les QRM, je suis là autour de la sortie 3, la Vieux-Normont, avant d'arriver là dans, au pont d'Aquitaine. En plus, c'est une zone d'ombre qui est bourrée de QRM. En plus de ça, c'est. Ouf, putain, puis j'ai du mal ce matin, moi. Ouai, aïe. N'écoutez pas, il m'a entendu un tir. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Les 73 Gilles. Voilà, je suis en train de monter le pont d'Aquitaine. Voilà, 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 j'arrive à la première pile. Voilà, les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 des plus hauts du pont d'Aquitaine. Alors, côté circulation, alors là, ce matin, il y a quelque chose qui est vraiment pas normal. Ça va pas, ça déconne, ça va pas du tout, c'est pas normal, ça roule. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien. Ok, par contre, tu dois avoir la puissance au maximum, je pense, parce que ça écrase un peu, là. Ah, au fait, avant que j'oublie, tu as les, entre guillemets, les 88 HI 3 coups, les 73-51 de la Belette. Il est de retour en fréquence, il a remis son, son matériel dans le mid-pat. Ouais, ben tiens, tu pourras l'écouter. Ben tiens, je vais justement là au chantier, là, aujourd'hui, là. Je me suis mis dans le doute, au cas où toi, tu irais aussi, changement de planning, ou je ne sais plus quoi trop, je me souviens plus. Pardon, je m'étrangle, j'ai pris le pocket avec moi. Ah ouais, mais ce matin, je m'en vais sur la bride, Aurélie, là, je m'en vais sur la bride. Bon, ok, non, mais j'ai anticipé le coup, au cas où. C'est, je me suis dit, bon, tu sais que les changements de planning, ça va très vite hein, chez nous. À propos de changement de planning, t'as vu mon message perso? Putain, la vache, comment je me suis fait baiser. Là, pour le coup, je vais faire un trois quarts planning sur Mérignac, là où tu sais. Je suis à 8 kilos, là c'est pas mal. En tout cas, les mecs là-bas, ils vont apprendre à me connaître. Parce que tout ce qui est complotiste, commère et compagnie, je vais vite leur dire, attendez les mecs, on n'est pas sur Facebook là, ici, on est au boulot là. J'en ai rien à foutre de vos conneries. C'est ceux qui vont vite se le prendre dans la tronche. Enfin, bon, c'est bien parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau pro qu'après négociation, on va dire que j'ai quand même accepté de dire oui, quoi. C'est enfin bon, bref, là ça sera comme ça pendant un temps, puis on verra après hein. Alors connaissant le bestiau là-bas, le chef,
Là, la minute même, je peux pas te dire si j'arriverai à voir le dernier. Ah putain, oui, il faut que j'envoie un email. Je pourrais pas te dire si j'arriverai à voir le dernier week-end de juillet. Et à ce propos, le dernier week-end de juillet, il est à cheval sur route en même temps. Donc, je sais pas trop. Faut que j'envoie un email au Rêve 17 pour savoir comment ce qu'il en est. Et eux, par contre, doivent avoir bientôt, dans quelques jours, leur réunion. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué tout ça. Et pour répondre à ton message, justement ton message perso, je me demande si cette année, les gens ne vont pas préférer plutôt aller en famille plutôt que d'aller dans les salons. Je sais pas trop sur quel pied danser là. Ok, oui, ouais, ok. De toute façon, moi, je vais poser mon indisponibilité. Je vais poser quand même mon week-end à l'indisponibilité. Et puis, on verra. Oui, moi aussi, hein, c'est pareil, hein, je vais le poser aussi, tout en n'étant pas vraiment sûr à 100% de la date, puisque, comme je disais tout à l'heure, le week-end, il est à cheval sur juillet-août. Alors, pour eux, ça sera lequel, le dernier week-end? L'avant-dernier ou le dernier qui est à cheval? Là, c'est un petit peu, j'ai un point d'interrogation à ce niveau-là. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai qu'il faudra. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas regardé sur le calendrier. Oui, Gilles, vas-y. Putain, je t'entends très QRP là. Je suis sur la rocade, de toute façon. Je suis pas loin de la sortie 7. C'est vrai que par là, c'est un peu cacaboudin aussi pour entendre quelque chose. Salut les cacaboudins! Ah merde, il a fait utiliser ça pour que devant moi je vois tout le monde freiner quoi. Salut moi j'ai l'eau, est-ce que tu vas t'appeler? Et bien quoi, comment un monde aussi. Ok, devant moi j'ai mis le 7 à 8 et puis qu'est-ce que c'est belle. Je vais continuer ma route là, Rémi, voilà, parce que si tu veux. Je pense qu'on je le soleil en face. Là, tu vois, j'ai que la puissance des courses là, ce matin là. J'ai coupé la boîte à coucou là. Eh ben toi, ça va beaucoup mieux comme ça au niveau radio. Ah oui, là ça passe plus fort. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite vidéo, tu pourras le constater par toi-même. Par contre, la vidéo, je n'aurai pas le temps de m'en occuper ce soir quand j'ai la réunion là, de l'ERCI là, à 19h30. Je crois que c'est ça, 19h30 il me semble, ou 19h. Je sais plus, il faut que je regarde. Mais là, je t'entends beaucoup mieux comme ça. Tiens, là, moi je suis à 2-3 kilos, là, pas plus. Quoi que 1 kilo maintenant. Ah non, tout qu'on fait, c'est zéro. Oui, effectivement, la radio est plus propre avec la puissance d'origine qu'avec la boîte à coucou. Oui, voilà. Alors ça, à mon avis, il faudrait contrôler la puissance d'entrée. Voilà, vraiment voir si tu es suffisamment bas. Moi, ce que j'ai un peu remarqué là de mon côté, comme les messages là sur Internet, il faut pas aller au-delà de 60% quoi, en fin de compte, pour entrer dedans. Et 50% même, c'est mieux. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Là, il est branché au QRA là en ce moment, mais je rentre dedans qu'à 50%, hein, pas plus. Hein. Voilà, hein, c'est tout ce que je lui envoie. Hein. Et en AM, sur une puissance maxi d'entrée de 10 watts, je rentre à 4-5 watts hein, maximum, mais pas plus. Hein. Ah oui, non, mais là, moi, j'ai rentré à 7 watts, c'est tout, hein, dans la boîte à coucou, c'est tout, on peut dire. Moi, je suis au niveau de la station totale de ces chemins-là. Hein. Voilà, j'ai pris direction la grande usine, je vais te tourner la direction à la station totale de ces chemins-là. Ok, bah tu passes bien. Hein. J'ai pas regardé le signal, mais là, c'est tout cuir. Là, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais, mais bon, je sais pas, j'ai vais regarder l'affiche, la vite fait, le dernier coup, là. Là, j'ai un petit peu zappé là, ce qu'il y a de marqué. Mais peut-être que c'est encore trop bon hein, pour lui. Hein. C'est possible. Hein. S'il se trouve, pour que ça soit QRO, il ne faut pas que tu dépasses 4, allez, 5 watts, peut-être maxi. Quoi. Ça serait pas impossible. Hein. Ouais, ouais. Il faut que je mette la puissance à l'entrée, alors que je descends encore un peu. Ah oui, parce que quand tu l'as, de toute façon, tu l'as entendu sur la vidéo et tu pourras le voir là à nouveau. C'est vraiment ça. Ça passe avec un signal plus fort, mais radio écrasée. Donc, du coup, ça te rabaisse la radio. Là, quelque chose, quand tu l'enlèves, de super QRO, donc plus fort. En modulation. Pardon, putain, j'ai un chat dans la gorge ce matin, au secours. Ouais, ok, ben écoute, tant que ça passe comme ça, je vais laisser la puissance d'origine du point, et puis on verra après. Ouais, voilà, oui. Tiens, je viens de voir quelqu'un de chez Bouex, celle avec une antenne de Sibi sur le côté, là, une grande antenne, on aurait dit une Santiago 1200. Ouais, chez Bouex, ils sont trois, je crois, avec l'équipe radio. Je leur avais remis des cartes, hein. Ok, bah tiens, hier, j'ai eu quelqu'un, puisque j'étais dans la partie arrière là, de la grosse usine, j'ai eu quelqu'un là qui lui fait pas mal de randonnées en 4x4 et ainsi de suite. Et lui-même, il a un pick-up. Et je vois dedans, il a un petit président Teddy, un truc comme ça. Et on a discuté un petit peu et je lui en ai donné justement une carte. Hein. Et il a été très content de prendre ma carte car justement, apparemment, les mecs, ils auraient du mal à trouver des infos sur Internet. Ok, ben là, ils vont trouver ce qu'ils veulent. Là, ils vont trouver tout leur bonheur. Ouais, peut-être un peu trop même. Faudra que je regarde tout à fait en bas du forum le nombre de publications qu'il y a. Au secours. Ok, tiens, je vais te passer devant la troupe principale, mon grand. Voilà, je suis sur la grande droite à l'aéroport là. Ok, d'accord, ouais, je vois où tu es. Ah oui, tiens, à partir de lundi, l'entrée se fera par. Tu le sais, par derrière. C'est si tu vois où je veux dire. Bah oui, de toute façon, tu dois être au courant déjà. Alors, j'ai entendu Gilles derrière là, mais c'est très très QRP. J'arrive à la sortie de Hayan en sortie 9. Gilles, hélas, désolé, mais là, ça passe vraiment trop petit pour ma part. Je t'ai entendu gazouiller de ta belle voix féminine. Et c'est tout ce que j'ai entendu là de mon côté. Putain, et puis il a fallu que j'ai une montée de QRM au même moment. Alors, Daniel, ben, Gilles, là, je l'entends là derrière. Il ne s'exprime pas, il fait simplement travailler ses cordes vocales, vu qu'à côté de ça, il est aussi chanteur. Oups, j'ai lâché une info, là. Ouais, mais en plus, il chante super bien. Voilà, oui, non, mais... Écouter les gens, ses talents de chanteur, non, il a une voix pour ça, il devrait se lancer dans la chanson. Voilà, donc l'autre jour, là, quand je l'avais en QSO, là, sur le retour, qu'il était coincé, là, dans les bouchons, il ne râlait pas, non, il faisait simplement travailler ses cordes vocales pour avoir pour améliorer ses talents de chanteur. Ouais, mais voilà quoi. Bon, ben ça y est, là, tu vois, je suis dans le dernier rond-point avant d'attaquer le... Voilà, ben là, ça bloque, voilà, ça bloque. Avec tous les... avec les travaux et tout, là, et puis ceux qui savent pas conduire, là, ça repart. Voilà, ça repart. Ouais, donc là, je suis sur la dernière ligne droite avant d'arriver à la rocade. Je... Rémi. Oui, putain, le signal est bien haut, hein. Ok, je suis dans la montée de la sortie 10, là, un petit peu coincé là au feu, là, vers le bas. Ah, il y a Kikou là, je viens de croiser Kikou là, de chez Courcelles. Alors, je ne sais pas s'il est équipé radio, enfin, j'ai vu l'antenne sur le côté, mais bon, il ne devait pas être
On s'écoute là, les OM, ils doivent être surtout, comment te dire, ils doivent parler que quand ils sont en convoi ou comme ça. Au charbon, les travailleurs. On y va, on y va, on y va. Ouais, et puis ils sont peut-être sur leur canal habituel aussi, hein, c'est surtout le cas. Hein. Ah ben là, j'ai dû lui faire du cœur, eh ben, parce qu'à proximité, là où je suis passé, dommage. Hein. Oui, Gilles, vas-y. Donc, bon, j'ai entendu OTT, mais Daniel, c'est où? C'est vers chez toi, là? Non, là, je suis, je m'en vais à la sortie 11, là. Là, je suis au niveau de la sortie 11, direction la rocade, là. Je prends la rocade, là, direction l'autoroute de Toulouse. La Toulouse? Ouais, je vais chercher la saucisse. Ah, ben, ça va, je te reçois bien. Oui, bon, mais c'est normal. Je te reçois bien, toi. À mon avis, sur la fin, t'as perdu. Putain, Daniel, plus 10, plus 20, tu m'arrives. Un truc comme ça, si j'ai bien vu. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est ce que tu viens de me faire actuellement. Là. Mais là, je suis dans la descente, moi, sur la... je suis sur la rocade, ça y est, là. Je suis sur la bretelle d'accès à la rocade. Hein. Voilà, je vais passer devant lui, là. Voilà, donc, ça y est, là. Je suis sur ma rocade. Ouais. Enregistrer le break. Attends, 2 secondes. Ah, ok. Oui, il y a eu un break. Ouais, Gilles te demandait, Daniel, si tu l'entendais bien, mais apparemment, là où tu es sur la boîte d'accès, ça doit être... pour le coup, tu l'as dû te perdre. Il y a eu un break en avant le break. Ouais, quand on va se passer le micro, j'ai une vague de QRM, là, désolé. Bonjour à tous, Diego 31. Diego 31, mobile à l'arrêt QTH Olévêque, hôpital Olévêque, là. Je reprends la route, donc j'ai fini la livraison. Je vois qu'il y a du monde sur le 19 Bordeaux, comme d'habitude. Hein. Vous êtes chanceux. Diego 31, Toulouse, Didier qui vous salue. J'ai reconnu Dandy, et je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Centaure, mais ça, je ne suis pas certain. Attends, Dandy. Ok, les 213 51, toi, affirmatif, ouais, c'est bien moi, Dandy 33. Voilà, je suis en compagnie de Daniel Senteur, effectivement, et Gilles... Ah, ça y est, j'ai bouffé son QRZ. Ben, c'est pas vrai, ça. Gilles qui est avec nous, mais du côté, lui, du bec d'Ambès, par là-bas, là, qui est assez loin. Je t'entends fort et clair, 73, c'est 49, tu me feras. 13, 74, là, je ne sais pas. La prochaine sortie, parce que je viens d'en passer une. Voilà, mais là, je m'en vais sur la Brenne. Je m'en vais sur la Brenne, donc moi, je prends la rocade, donc extérieure, et après, la l'autoroute de Toulouse, hein, voilà, puisque je sors à la sortie de la Brenne, juste avant le péage, hein, voilà, dans la petite zone où il y a la déchetterie là-bas, la Brenne, hein, voilà, je serai juste à côté. Juste au pied de la déchetterie. Donc, voilà, je suis à la sortie 14, voilà, j'arrive à la sortie 14, là. Voilà, ok, tu me rappelles ton prénom et ton indicatif, hein. Ok, merci pour le tour de micro. Alors là, c'est très compliqué. Là où je suis, j'ai pour le coup, j'étais presque entièrement perdu.
C'est devenu très QRP là de mon côté. En plus, je suis dans un endroit où j'ai pas mal de QRM. Vu le QTH, ouais, on marque aussi. Il y a des usines pas loin, ceci, cela. Donc, ouais, c'est normal. Hachi. Donc là, j'ai pas tout compris de ce que tu as dit. Mais bon, je te ferai pas répéter parce que, en plus de ça, il va falloir que je m'arrête un peu dans le secteur. Et j'aurais pas te faire répéter 10 fois, je crois que ce sera pas mieux, quoi. Attends, je vais faire un petit retour sur Gilles pour voir s'il est toujours là. Retour Gilles. Ah la vache, je suis complètement saturé de QRM. Bon ben Gilles, je l'entends à peine derrière. La station de Toulouse, c'est pareil, je l'entends quasiment plus. Vu là où je suis, Daniel, je crois que tu dois être le seul que j'arrive encore à sortir. Daniel, t'as remplacé le micro, je crois. Ah, ça y est, j'arrive à t'entendre à nouveau. C'est bon, je devrais pouvoir améliorer ça. Il faut que je me trouve un endroit où ça passe mieux. Thank you.
Je l'ai entendu, il a changé de bouchon d'un peu. Non, rien, c'était de ma part. Ok, les 73-51 tous. Là, c'est devenu trop compliqué de mon côté là d'arriver à sortir quoi que ce soit. J'entends gazouiller un petit peu dans le lointain. J'ai compris quelques mots. Heureusement qu'il y a les Roger Bip qui sont là aussi. Donc là, je vais aussi passer en QRT de mon côté. Et puis bon, vu l'heure, je suis pas très loin là d'embaucher. Daniel, je suis au même endroit que la dernière fois. Là où j'étais attendu. Voilà, là, à quelques mètres là du pro. Hachi, donc Gilles, le 73-51 à toi, ça y est, j'ai oublié son prénom, la station, bon retour sur Toulouse, et à la prochaine, à tous là-dessus. Ok, j'ai réussi à sortir un petit peu. Les 73 à tous et bonne journée. Down in the harbor of Cork, over.
wouldn't, you know, say properly goodbye and stuff like that. I hope to maybe learn the numbers in French. I know all the haunts. Attention, Vega 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, la pelette ou Centaure pour Dandy 33 qui vous appelle. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France en haut du pont d'Aquitaine. 33, salut Rémi, c'est Cédric. Oui, les 73 CY, les 73, notre station qui a répondu en même temps de la part de 14 km 3301, actuellement mobile sur le sommet du pont d'Aquitaine. Bon, ok, il doit y avoir des bouchons. Ah, ça roule bien, malgré tout, franchement. Ça roule bien. Bon, j'étais là, je sors du pro, j'étais sur Mérignac. Bon, là-bas, évidemment, Mérignac, c'est, à chaque fois, c'est le caca, à croire que tout le monde va bosser par là-bas. Mais là, là je viens de passer le pont tranquille et comme dirait l'autre, les doigts dans le nez. Ok, oui. Bon, bah, tiens, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. J'étais juste un coup comme ça, parce que là, il y a de la pompe avec là, donc je vais continuer à faire du DX. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Et je te dis bonne route. Ok, merci. Surtout que là, je suis en train de te perdre un petit peu. Je suis là actuellement sur le tronçon qui longe l'Ormont, là, la partie qui est après le pont d'Aquitaine. Voilà. Vu que je ne sais pas sur quelle région tu es, je veux dire que j'ai un petit peu zappé. C'est vrai que ça fait un moment que je n'étais pas monté en BLU. Ou alors, c'est du vraiment du spontané, comme ça, du, on va dire, quelques instants. Je suis un petit peu le mouvement de la propague. Et quand la propague n'est pas là, et bien je fais mes QSO du côté des 40 canaux en AM. Comme ce matin, par exemple, on était bien à plusieurs là sur le, en AM. Là, c'était super cuirant. Ok, les 73, profitez bien de la propague. À la prochaine. Ok, Rémi. Bah, écoute, profite bien des bouchons. Je pense que je profite de la propague. Les 73. Alors pour les bouchons, le bon côté quand il y a des bouchons, c'est qu'on peut profiter du paysage. Merci, bye, hachis trois coups. Zero, we are calling.
Zut, j'ai oublié l'autre station. Ils étaient deux. Oups. Putain, qui passe fort, voilà. C'est les Italiens. Attention, Gilles, pour Dandy 33 qui t'appelle depuis la Nationale 89. Bon, visiblement, tu dois être occupé à autre chose. Oh, c'est casu dans le lointain, dans le très lointain, ça, ça doit être la propague. Attention, la station. Oui, la station. Oui, la station qui me répond, là, les bonnes amitiés de la part de Dandy 33, actuellement sur la Nationale 89, de la descente vers le petit village de la Poste. Pour la remontée vers Bordeaux. Ok, Nounours 40, eh bien, de ton côté, ça va, ça roule. Il y a un peu de monde, mais ça va, ça roule bien quand même, malgré tout. Là, j'entends les étrangers dans le lointain derrière. Ah, c'est un petit peu normal, vu l'activité qu'il y a là en ce moment. Évidemment, ça nous arrive là, jusqu'ici, là, sur le 19, à Chine. Ok, Nounours 40, les bonnes amitiés à toi, bon week-end et la prudence sur la route. Ok, merci. La propague n'est pas du côté des USA, sinon on entendrait, là c'est la cour de récréation ici de leur côté. Voilà, il n'y a rien. C'est vraiment du côté de l'Italie par là, apparemment. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, entre Bordeaux et Libourne. CQDX,
Appel de 14 km 33 01 opérateur Rémi qui lance appel en mobile sur Sud-Ouest France entre Bordeaux et Libourne.